On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. On va s'amuser un petit peu dans le terrain juste derrière. On ne connaît pas tellement l'histoire de ce terrain, mais on va y mettre le détecteur, les détecteurs. Ça va, Jérôme? Ça va, ça va. Jérôme qui nous a fait une mauvaise période. Il est plus contagieux. Non, c'est parti. Il a été atteint par le Covid-19. Il a été testé positif. Et moi, j'ai été testé négatif. Bah, tant mieux pour toi. Ouais. Donc, il est plus contagieux. On ne va pas s'embrasser aujourd'hui, mais on va faire attention quand même. On va remercier. Allez. Sapeur Détail 72, merci beaucoup pour ce pins. Allez faire un tour sur leur chaîne. Sur leur chaîne, c'est superbe. Également, les fouilleurs du 34, merci beaucoup. Les gars, c'est super sympa de recevoir des courriers comme ça et de recevoir des cadeaux comme ça également. Alors, la guille addictive passion, ça c'est du gros pins. Merci beaucoup les gars, c'est vraiment sympathique de votre part. Vive la détection, vous voyez comme quoi cette passion perdurera dans le temps, pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. On est parti? On est parti. Sous ces moins 2 degrés, il fait très froid, on va y se réchauffer très vite. On va s'arrêter sur un premier son. Allez, ça croche, ça le prend d'un côté, et des fois ça le prend pas, j'ai bien fait de le prendre, parce que regardez, je vais laisser Jérôme vous faire un gros plan, un zoom, si tu peux faire. Hop, vous voyez des motifs là-dessus. On va taper dessus pour enlever la rouille. Ouais. Je sais pas. Allez, je vais le nettoyer. En tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Ouais, ouais. Regardez, on dirait de l'étain. Je sais pas si vous voyez bien. Tu peux pas faire un zoom plutôt, Jérôme? C'est plus sympa. Je peux vous dire que ça caille. Il fait moins 2, mais il y a un vent glacial par-dessus. On n'a pas très chaud là. Ah, ça a l'air vraiment beau quand même. Je sais pas ce que c'est. Allez, on va continuer parce qu'il faut qu'on se réchauffe très vite. On va aller voir Jérôme. C'est là que ça se passe. Ça, pas mais ça a l'air joli. C'est une décoration. Oh, j'ai froid. On veut dire qu'on a froid. J'ai froid. Ah ouais, c'est vraiment très froid là. Alors, on dirait une poignée de commode. Ouais, oh, c'est joli, non, super. Elle est belle. Vous avez vu, on dirait un œuf, comment on appelle ça? Ou un gland. Et un gland. Alors, ah, c'est, elle est vraiment originale. On dirait une petite poignée de quelque chose. Oh, c'est joli, regardez. C'est pas commun. Hein. Attends, on va la mettre sur la neige. Profitons qu'on ait de la neige pour faire de jolies vues. Le ciel est très sombre. Voilà, je nettoierai ça et vous laisserai des commentaires. Oh, ça pèse, dis donc. C'est lourd. Hein. Hey, pardon. Ça va, Jérôme? Ça va. Froid aux mains? Ouais, il fait horriblement. Et on va continuer. Moi, j'aime bien ce temps-là. J'adore quand ça pique un peu comme ça. On a de la visite, regardez. Je vois une petite tête cachée là. Extra. Bonjour. Bonjour. Jérôme qui nous fait superbe monnaie, Jérôme. C'est là. Ah, là touche pas, ça vaut quand même le coup. Je fasse un zoom là-dessus. Vous avez vu un peu l'état. Vino 0, je suis froid. Allez, c'est une pièce d'un euro. Hop. Qui commençait à rouler. La plus riche que quand t'es parti de chez toi, t'as vu ça? Oh oui, j'ai failli être moins riche tout à l'heure parce que ça glissait énormément sur la route. Hein, c'est super glissant, il y a des voitures un peu partout dans le fossé. On va changer de secteur, ce champ n'est pas très parlant. On allait s'en aller là justement. Et on va quitter cette prairie. On se retrouve tout à l'heure. Allez, on est arrivé sur un nouveau secteur. C'est sympa ici, c'est une discothèque. Avec le Covid, forcément elle est fermée depuis pas mal de temps maintenant.
l'autorisation avec Jérôme de pouvoir faire tout ce grand parking. Ça va être assez cool. Oh, ça va être moderne. On va taper les monnaies pour mettre dans la tirelire. Ça va vraiment être sympa. En plus, on a le soleil qui commence à arriver. C'est parti, c'est cool. Allez, on va commencer à remplir le cochon. Une discothèque devrait trouver pas mal de monnaie. Allez, on va arriver. Des euros. Non, ça. Oh, il fait froid. Hein. Il fait froid. Non, c'est une 50 centimes. Allez. Allez. Bing. Dans le cochon, on continue. Bing, bing. On va continuer. Remplir le cochon. C'est là que ça se passe, je l'ai sorti. Et c'est une autre 50 centimes. J'ai les doigts complètement gelés. On n'aurait pas dû s'arrêter. Revenir ici. Continue. Allez, vivement que ce soleil nous réchauffe un peu plus. Allez, Jérôme. Tu remplis. Allez. La tirelire, toi aussi. Ah, ben oui, ça fait combien là? Ah, c'est amusant, allez. C'est 1 euro. Ça va vraiment être. Allez, on continue. T'as un petit plaisir aujourd'hui. Remplis le cochon à nouveau. C'est là que ça se passe. Mais c'est pas une monnaie. Oh, regardez, c'est gelé. C'est une bague, je pense. C'est complètement gelé. Ah, superbe. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a. Je veux dire que là j'ai froid au doigt. Allez, on continue. Allez, attends, on va la faire un gros plan là-dessus quand même. Pour aller sale. C'est pour ça que j'ai un doigt gelé comme toi, moi. On a l'onglet, je peux vous assurer. Allez, j'ai un doigt là. Bon, on la nettoiera. Je la nettoierai dans le camion. C'est une jolie bague. On va voir de jolies surprises sur ce grand parking de discothèque ici. C'est super dur à creuser, donc on a de la chance parce qu'on a des choses qui sont pas trop profondes. Regardez, c'est intéressant. C'est déjà là une 20 centimes qui a sonné comme une monnaie hein, sur l'Orix à 86-87. Et là, regardez, juste à côté, je croyais que c'était un bouchon. C'est pas un bouchon. En fait, beaucoup de voitures viennent se garer ici. C'est une chevalière. Vous voyez? La taille de la chevalière, elle a été écrasée par les voitures. Tu zoomes là? J'y vais. Allez, zoom, regardez ça. Je vais la nettoyer, c'est du toc, certainement. Et cette 20 centimes qui était à côté. J'allais te arrêter, je ferai une photo, c'est quand même assez cool. Bon, on ira manger tout à l'heure, j'ai vos mémoires, et puis on changera de secteur, c'est amusant. Tiens, il y a même un briquet là, regardez. Comme quoi, pour vous dire qu'il y a plein de choses. Extra. Allez, avec la feuille qui va bien avec, vous avez vu ça. Végétarienne. Bon, ils n'ont pas tellement tort non plus, hein. C'est végétarien. Allez, on continue. Je crois qu'on va bien s'amuser sur ce parking. Allez, Jérôme. Allez, c'est ici. C'est là, là. Bouge pas, parce que moi aussi j'ai froid. Alors. Oh, c'est combien ça? 1 ou 2? 2. Allez, 2 euros. Allez, 4 montres. Ouais. Dans ma poche. Allez, hop. On est parti. Allez. Je suis à la poursuite de Jérôme. C'est vraiment sympa. On va vraiment trouver du moderne, ça c'est sûr, évidemment. Parce que c'est une discothèque, que voulez-vous? Mais bon, allez, on va rigoler parce que il fait vraiment très froid, ça va nous réchauffer. Ce qui est drôle sur un parking comme ça de discothèque, c'est qu'on risque de trouver peut-être du moderne, des choses un peu anciennes également, mais beaucoup de diversité. Regardez ce qu'il nous fait Jérôme ici. Hop! Ah, génial! C'est une montre. Ah, c'est une montre. Et on voit le verre des soeurs. Attends, bouge pas, Jérôme. Hop là. T'as l'air d'avoir faim. Oui. Bon, je pense que celle-ci, il y a un petit bout de temps hein, qui est loin. On a plus d'aiguilles. Plus grand chose. Je la nettoierai quand même. Allez.
beaucoup de neige, en tout cas on s'amuse bien ici et ça fait du bien, pour vrai Jérôme. Oh, chaud. Allez, on continue de se réchauffer. 2, 1. Format 2. Format 2-0. Et c'est une 2, attends. Oh. Ouais, c'est ça, je pense. C'est ça, hein. Non, ça a l'air 1 ça. Oh. Ah non, 2 peut-être. Allez, c'est une 2-0. Non, oh, David, c'est une napo. N'importe quoi. C'est une 2-0. Vous voyez ce que ça donne un petit peu le Covid-19 quand on l'attrape. Regardez mon destructeur. Ah oui, mais... On continue à plus une volée là. Encore. Allez. Ouais. 1 euro. Bon, on va manger Jérôme et moi. On va manger chaud. Allez, moi c'est un briquet. 1 euro. Alors, 1 euro. 2 euros. Et moi j'ai 3 euros Jérôme. Alors moi. Yes. 1 euro. 2 euros. 3, 4, 5, 6. On a volé. 7. C'est bon, la Mathieu, c'est là? Non. 7, 8, 9. Ah, dis donc, t'as tourné, toi. 10 euros. Là, ça, c'est la montre. La montre que je nettoierai. Je ferai un petit nettoyage sur cette montre. Alors, on a dit 10. 10 et 2. Ah non, 10 et 1, pardon. C'est 2, ça. Ah non, c'est 2. 10 et 2, 12. Non. Si. Ah oui, 12. 12. Ça, c'est la Mathieu. La 10 francs Mathieu que je nettoierai également. En veux-tu, en voilà. 12. 1 euro. 13. Non, t'es productif, toi. 14. 15. Waouh, mais t'as tourné. 15,20 €. 15,30 €. 15,40 €. Non, mais moi, je te bats après. Moi, je fais une jolie bague que je nettoierai. Qui est ici. Ah, elle a l'air vraiment sympa. Regardez ça. J'avais pas vu, vous voyez, elle était tellement encrassée. Tu vois? Regardez. Un serpent. Non. Ouais, je sais pas. Hop là. Bon, je ferai un nettoyage, ça va être plus facile parce que là, vous allez pas voir grand chose. Et puis, j'ai surtout, moi, cette grosse chevalière qui est cassée. Oh, regarde ça. Mmh. Vous avez vu ça? C'était avec la chevalière. Hop là. Je sais pas si vous voyez bien si ça fait le zoom ou pas. Pas pratique. Hop là. Bon, je ferai un nettoyage sur cette grosse chevalière qui a été écrasée par les véhicules, évidemment, qui se mettaient sur ce parking. Avec. Et maintenant, on va manger. T'as faim? Ah oui. C'est parti. Attention. Moi, j'ai un petit couscous pas maison que Punchy m'a préparé. Bah, j'ai pas de femme. Ah oui. Donc, faut bien que... Hein, on se partage les tâches, moi et Punchy. Je comprends pas, David, pourtant c'est pas ce qui manque. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Mais je trouve pas la bonne. Ah. T'as faim? Ouais, oui. Ça donne faim de faire des trous. Hein. Surtout, j'ai pas le couvert. Je t'en donnais.